Salut à tous et bienvenue sur Europa Universalis 4 avec Dabzou et le Bénin. La guerre contre l'Écosse et la France qui est plutôt très très dure à gérer, mais on s'en sort pas mal actuellement. On est toujours à essayer de se planquer de la flotte française qui de temps en temps fait très très mal. Tiens d'ailleurs, elle est vers où là? Les Açores. Mer des Açores, ça veut dire qu'elle part en pleine mer. Et bah la mienne est là-bas. J'avoue que si on se croise, ça m'arrangerait. Si je pouvais choper la flotte française comme ça d'un seul coup, ça me ferait plaisir. Alors on est en train de s'occuper de toutes les colonies du coin. Toi tu vas là. Toi tu vas là-bas. Et toi tu fais ça. Tu peux revenir par là. La grosse armée d'ici, elle a été tuée. Toi, t'as un nouveau but, c'est tuer les groupes qui sont là-bas. L'Espagne a fait un bon boulot ici avant que j'arrive. C'est colorié en quelle couleur, ça? Non, ça, c'est l'Écosse, c'est bon. Mec, faudrait peut-être que t'ailles un peu t'occuper du bas, ça te ferait plaisir, je pense. Enfin, moi aussi, ça me ferait très plaisir. Les navires, ils vont bouger. Les quêtes m'intéressent toujours pas. J'ai pas fait gaffe parce qu'il reste des dettes. Non, j'ai pas de dettes. Donc peut-être quelques investissements. Il y a quelqu'un qui est en train de me flouder ma messagerie. Ça fait assez gênant. Faudrait qu'elle se calme un tout petit peu, cette personne. Non. J'en suis où par rapport à la science? 4 ans d'avance. Donc on va convertir peut-être quelques cultures. Non, on s'en fout, on va le faire. Je vais plutôt faire des bâtiments encore. Je peux faire du manufacture de textile. Ah non, il faut que j'attende la fin du mois, sinon c'est pas vivable. Alors. Maintenant que le score de guerre, on le gère. Mais royal quoi. Franchement, on est royal dans la guerre là. Faut juste que je reprenne tous les territoires là. Et je vais juste m'apprêter aussi à lancer une bonne petite invasion sur... sur qui déjà? Oui, sur la... Après les débarquements en France. Il va falloir que je le fasse. On va être trop obligé de faire un débarquement en France. Ah, révolte en Mystèque. Combien ils sont? C'est-à-dire qu'ils se sont révoltés sur l'armée française. Ah mais en fait... voilà en fait, hop. Vous, vous passez par là, de toute façon. Un peu de prestige, cité de Mystèque. The White Mountain. Ou 48 000 Français qui sont là. Coupé en deux. Vous revenez au en traçant par là-bas. Apparemment, les Français font débarquer des troupes. Et en plus, ils font pas que débarquer des troupes. Ils s'en servent pour deux. Ils s'en servent réellement, apparemment. Donc, on ramène le gros des renforts. Et on va voir pour la suite. Lui, il y va parce qu'il a vu des rebelles, évidemment. Quand il voit des rebelles, il bouge ses fesses, sinon il bouge pas du tout. Ça, c'est l'intelligence de fou que possède l'ordinateur. Là, je vais regrouper parce qu'il va falloir que j'intervienne. Je perds combien, en fait? Je perds 98. Ah ouais, comme ça fait beaucoup. Les troupes sont loin ou pas? Attends. Alors. On se regroupe. On se regroupe. On se regroupe. On se regroupe. Ça fait déjà un joli petit groupe qui a bougé là. Et on va espérer que eux arriveront plus vite que prévu. Avec une petite marche forcée.
Parce que la France arrive avec une marche forcée, ça c'est sûr. Ils vont où? Ben ils bougent pas d'ici. Donc on peut choper cette flotte-là. C'est pas vrai. Ils arrivent à m'échapper. Pourtant, j'ai une flotte moderne tout au tout. Et franchement, j'ai le top du top de la modernité. Voilà, bah après. Voilà, donc juste, il y a eu des rebelles, ils y sont allés. Tant qu'il n'y a pas de rebelles, ils bougent pas. L'ordinateur, il est comme ça, lui. Tant qu'il n'y a pas des rebelles à tuer, ça n'intéresse pas. Moi, j'ai tué une flotte qui m'intéresse pas beaucoup. Oups, là, on peut choper la flotte. Tout de suite, on y va. Hop, donc les 80 000 hommes qui vont au contact. Là, je chope la flotte française. Et là, franchement, si vous me dites que j'ai pas l'armée pour la défoncer. Voilà. Bon, normalement, il n'y a plus de flotte française. Du coup, vous repartez en Côte d'Ivoire travailler. Et vous. Je vais me resservir de vous. Pour reprendre les opérations militaires. Voilà, du perdre un peu plus de prestige, du désir de liberté. Ah, je vais tout de suite investir dans un peu de stabilité aussi. La France, militairement, ils sont combien? Ils sont 29. Je suis 29. Donc, morale des flottes plus élevée. Franchement, le moral des flottes, c'est un truc qui sert vraiment à rien, je crois. J'ai jamais vu, je crois, une bataille navale se faire au moral. Généralement, il y a toujours une flotte qui a été atomisée avant la fin. Alors, vous allez vous regrouper ici. Et vous continuez à avancer. Donc, ça, c'est la Castille, Castille. Donc, il faut qu'on passe de l'autre côté et qu'on approche le Canada aussi. On va récupérer le petit terrain qui est occupé par les rebelles. Alors. Ah, quand même, j'ai vu qu'il a tenté un affrontement. Il a voulu tenter l'affrontement au moment. Alors, on est 3 fois plus. Certes, ils ont le 3 étoiles. Mais on est quand même 3 fois plus. Donc, à mon avis, ils vont courir longtemps. Mais ils vont juste courir très longtemps. Quoique quand même ils nous font mal. On est censé être 80 000. Stabilité. Eh ouais quoi. Eh non mais ils m'ont fait mal. Je déconne pas mais ils m'ont réellement fait mal. C'est pas une blague. Ils ont réellement les capacités. Il m'a vraiment déchiré une partie de l'armée là. Vous allez me gonfler sincèrement à vouloir absolument interdire certains déplacements. 4%. Il y a une petite troupe qui se refait en haut. Allez, on se casse de là. Une. Voilà, vous repartez au siège. 100%. Ah bah voilà. 100%. Alors 100%. Ça va pour toi. Ça c'est pour toi. Ça c'est pour toi. Ça c'est pour toi. Ça c'était à la Castille, donc on s'en fout. Ça j'y touche pas. Là ce territoire, on n'a rien eu ici. T'as réussi, la Castille elle a perdu ici quoi. C'est pourtant là où elle est censée être le meilleur. Enfin la meilleure. La Californie. Ouais, c'est-à-dire que je pourrais commencer à essayer de former la Californie. Chose que je n'y crois pas beaucoup. Non, la Californie, je pourrais jamais la former.
Basile. Basile, on va lui donner tout ça. Là, je peux pas. Ah oui, en plus, faut pas que je lui donne tout, c'est vrai. Là, c'est à FIFA. 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 Là, on fait ça très vite parce que maintenant, faut quand même qu'on signe la paix. À mon avis, je pourrais pas prendre toute la Floride. Basile. 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 Déjà, si je réussis à donner tout ce que je veux là, ça va déjà être joli normalement. Eh ben, il semble que c'est pas mal déjà si je donne tout ça, tac. Plus tout ça. Normalement, je donne rien à personne là. Ça fait que 19% en même temps, hein. Je dirais qu'on peut faire mieux. Ah, c'est vrai que plus, je peux aussi me servir directement en Écosse. C'est pas mal aussi ça. Prendre ces trois terrains-là. Ça, je m'impose en Écosse. Mais je pense qu'on va continuer de grossir par là d'abord. Ça, c'est pour du FIFA. 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 La FIFA là-dessus, il va se faire plaisir. FIFA. Ensuite, là, on est parti où? Occupation par Basile. 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 Ah, je peux pas prendre tout ça. Je prendrais bien un groupe ici, mais le problème c'est que je peux pas le corer. Qu'est-ce que je peux faire ici? Je peux pas le corer. Et si je peux pas corer, ça c'est un peu con. En fait, faudrait que je prenne directement tous ces terrains comme ça. Que je prenne de la réparation de guerre. Saturne. Limite, je peux forcer la religion, mais on s'en foudrait un petit peu. C'est pas très intéressant. Voilà, là, franchement, on prend, il y a beaucoup de terrain colonial. Enfin, beaucoup, c'est entre guillemets. Des sous, des réparations de guerre, voilà, on va faire ça. Puis surtout, c'est à donner la catacombe. Les fois, c'est à donner l'hécatombe, on avait pu à tenir. Alors, l'Espagne, les relations tout de suite. Le Portugal, les relations tout de suite. Parce que là, il doit y avoir un paquet de personnes qui ont juste envie de me zigouiller, quoi. Mais non. Tout ça encore. Vous fusionnez. Une armée qui va là. Toi, tu te barres avec le reste. Là, j'ai une sacrée horde qui est encore dans le coin. FIFA, il peut tranquillement s'installer, il n'y a pas de problème. Les Iroquois, le jour où je vais les tuer, je peux y aller. Ces mecs-là, tu me les fais partir tout de suite. Non, laisse-moi ça, je veux la carte du monde, moi. Tu me les envoies immédiatement ici. Trois ponts. À Cayor. Oui, je pense que là, en plus, j'ai regroupé une bonne troupe à Cayor. Niveau des relations, je suis à combien? Je suis à 3 sur 4. Comment ça se fait que je suis si bas en relations? Guyenne, vassal dirigeant, mariage royal. Oui, je peux me faire un contact de plus.
avec qui je peux rien faire le contact. Oui, même pas, la Russie même pas. Notamment, on n'est pas... On est trop loin. J'allais dire qu'on n'était pas, on était pas si loin. Non, non, on est très loin. Ouais. Non, en fait, peut-être la Scandinavie. Non, la Scandinavie, c'est impossible. L'Angleterre, c'est impossible. L'Autriche. Après tout, peut-être que l'Autriche. Petite alliance avec l'Autriche. J'avais de la chance, il récupère l'Empire. Peuvent être intéressants. Ah. Alors, c'est le moment d'acheter des navires. Donc, des navires de commerce. J'en veux plein. Voilà. Ici. Et ici. Donc, comme ça, hop, on arrête d'acheter des navires. J'ai vraiment mis tout ce que j'avais pour le financement des navires. On essaie de déployer les flottes suffisamment vite pour, enfin, de redéployer l'armée suffisamment vite pour que je puisse désactiver la maintenance des flottes qui coûte très cher. Voilà. Oh putain. Et j'ai une province ici qui permet de stocker autant d'hommes. Là, il peut en stocker 34 000, 39, 41. Je vais vous couper en deux. Ce sera ça. La flotte, est-ce qu'elle a atteint la province? Bientôt. Je veux que tu viennes là. Toi, je veux que tu viennes à quai. Très inquiétant. Les impôts. Ne vous inquiétez pas. Dès qu'on peut récupérer l'amiral, je veux juste leur donner l'amiral. Voilà, ils peuvent l'avoir. Et attends, vous repartez en Côte d'Ivoire. Toi, tu t'es juste trompé de terrain, mais c'était pas trop. Mais c'est dommage, c'était pas loin. Donc toute cette flotte là, inactif. Et normalement, on est censé se faire des, enfin de l'or quoi. 130. Évidemment, ça va forcément péter dans tous les sens. Trop cher. Voilà, dispersion. Faut que je me retrouve une nouvelle mission. Cap sur la Chine. C'est sûr que oui, le cap sur la Chine, ça m'intéresse beaucoup. Mais on trouvera bien quelque chose à faire. 74% ici. 2000 ducats contre 10 de légitimité. Pas de soucis. Du coup, je vais pouvoir me payer ça. Voilà. Tout ce que je peux me payer comme bâtiment, c'est maintenant. On n'a peut-être pas beaucoup de temps à tenir, mais c'est le moment d'investir. On me dit quand on peut investir, il faut investir. Kano et Katsina et Ezex en même temps. Bon. Septième, c'est plutôt pas mal. Donc là, il y a 30 000 hommes. Et à Ezex, il y en a 40 000. Tiens, au passage, il y a un transporteur là-haut. Il faut que tu viennes là. Toi, je te réactive. Ok. Alors, pour viser les 30 000 là, eux feront très bien l'affaire. Et pour lutter contre les ex, je vais ramener celle-là en plus. Voilà, il y a tout ce qu'il faut. Faut juste attendre que tout le monde sorte des places. Je vais peut-être bientôt investir dans les sciences. Un petit peu d'argent, ça coûte que dalle. Encore de l'argent qui rentre à bon port. Vous, je vais vous envoyer à Malacca. Il leur faut juste un chef. Et toi, tu pars directement, tu fonces à Ezex et tu te dépêches.
Là, si je veux un double strike, quoi, voilà. Je vais y arriver. Arrêtez avec les majuscules, j'en ai marre de me tromper de touche. Donc là, ça va faire un double strike. Non, attends un tout petit peu quand même. Taxer. Franchement, mec, t'aurais pas fait demi-tour, t'aurais pu m'arranger, hein. Fallait juste que tu fasses pas demi-tour. Ah bah ils sont passés. On est dans Foiros. En février, on ira. Ah, ok. Il vient de comprendre tout de suite pourquoi mon truc s'est enflammé. La flotte, je la paralyse là-bas. Ah, l'Écosse, oui, la Cosse n'existe plus quasiment. Allez, non, on sera pour le mois de mai, pas de mai, de mars. Tout petit peu d'avance, je suis désolé. Voilà, et maintenant, on va essayer de gagner un peu de sous, si ça vous dérange pas. Que ça fait du bien, un peu de sous. Je vais les envoyer à Zanzibar. Qui pourrait être ma prochaine cible de guerre officielle? Occupation par la Scandinavie. La France en guerre contre la Scandinavie. Ça pourrait être beau. Pas sûr qu'il y ait une réelle efficacité derrière. Le Congo qui s'est fait vassaliser. Bon, un général de mort. Bon, ça, on n'y peut rien. Les Anglais. Je ne suis plus en trêve avec l'Angleterre. C'est bien de savoir ça, que je suis plus en trêve avec l'Angleterre. Qui a fini? C'est toi, t'as fini. Hop, tu peux passer par là. Si je ne suis plus en trêve contre l'Angleterre, c'est peut-être le moment de préparer l'action. Toi, non, toi, il faut que tu cores encore un tout petit peu. Non, le Portugal, j'ai pas envie d'y toucher. Ok, j'ai encore perdu un général. Les mecs vont me coûter très cher en général, là. Entre nous, vous me coûtez très très cher, là. Oui, vous m'avez coûté extrêmement cher en général en 2 minutes. 3 généraux de perdu, vous imaginez pas combien ça coûte, hein. Il faut les rebalancer d'ailleurs les 150 points. Donc l'Autriche qui. Alors est-ce que ça coûte combien que 1000? Mais est-ce qu'il vaut le coup? Allez. Dommage. Le suivant est meilleur. Et allez, on va presque finir doctrine. En fait, mes doctrines sont quasiment finies, donc j'ai plus que les sciences à acheter. En fait, j'ai plus que des bâtiments aussi à acheter. Donc on va payer tous les temples que j'ai pas payés encore. Voilà. Chez nous, c'est que de la qualité. Enfin, c'est ce qu'on veut faire croire. Ça s'est fait derrière les tribunaux. Ici, ici, ici. Ça, les tribunaux. Le seul truc que j'aime bien avec les tribunaux, c'est le petit risque de révolte en moins. C'est ce qu'on appelle le petit quelque chose qui change beaucoup de choses. C'est vrai que ça ne veut pas dire grand-chose dit comme ça. Faudrait que je m'attaque à un pays dans le coin. C'est quoi la religion chez eux? C'est protestant. Moi, je suis catholique. Faut que je m'attaque à un pays catholique. Scandinavie, Pologne, France et Hainaut. Si j'attaque.
Ouais, de toute façon, puissance administratif. Je crois que je pourrais en relancer contre Venise, et du coup, je peux relancer toutes les guerres contre tout le monde. Sauf que cette fois, j'ai peut-être mes troupes qui seraient plus facilement en arrivage sur la France. C'est quoi l'armée française? Est-ce que la France a toujours ses 45 000 hommes? La France. Ben, elle est où la France? La France a 50. La France a 51 000 hommes? Mais sérieux, ces blagues-là, mais moi je peux pas y croire à une blague pareille. Comment la France fait-elle pour avoir 51 000 hommes? Arrêtez, c'est une blague là. Ouais, hop. Parce que là, je vais tout de suite relancer la guerre contre la France. Venise, Hainaut, vient pas, on s'en fout. On active ça tout de suite pour la France. Mais je veux cocher. Pourquoi tu veux pas? Moi, je veux attaquer eux et je veux cocher. Bon, bah c'est pas grave, de cas quoi qu'il arrive, je vais faire 2 mois de maintenance. Je vais transférer cette armée. Déjà, je vais activer cette armée-là aussi. Là, on va donc retourner sur la France. Parce qu'apparemment, la France a plus que 50 000 hommes. Moi, je dis qu'une seule chose, hein. Si la France a 50 000 hommes, on serait con de pas y aller, hein. Ok, il y a la colonie qui se finit. J'ai pas fait embarquer le mec, évidemment. Et puis on va lancer attaque. Attaquer. Donc on va débarquer tout de suite à Guyenne. Si on croise des flottes françaises, on les coulera. Sauf qu'à mon avis, ils vont faire tout leur possible pour m'éviter. Là, cette fois-ci, je vais vraiment débarquer. J'ai ramené 55 000 hommes ici. Et on va tout de suite chercher une nouvelle tournée. Vous allez passer tout de suite à Zanzibar, sauf lui, qui passe là. Et vous allez aussi à Zanzibar. Hop là. Vous allez aller à ce qu'il y a au-dessus de Zanzibar, c'est le golfe d'Éden, il me semble. Il est où le golfe d'Éden? J'ai pas accès au golfe d'Éden? Non. Bon bah tu iras assez lent. Dans Malacca. Ok, des flottes se sont. Nos flottes se sont terriblement affronté. Bon, cette fois, tu peux y aller. Prends-moi tout de suite un général et tu pars au combat. Je sais pas pourquoi j'ai pas de. Oh, ok, j'ai un décalage de morale entre nos deux armées, quoi. Il est monstrueux. J'espère que l'Espagne va me rejoindre. Voilà, l'Espagne m'a rejoint. Et moi je vais tout de suite essayer de poursuivre. Ok, bon, on arrête ici.
On se retrouve demain pour ce nouvel affrontement contre la France. Sauf qu'apparemment, moi j'ai récupéré et que eux, ils se sont simplement fait atomiser. Allez, ciao à tous, bye bye.